We are here, the orange dot, and this is Cap Lewin. Cap Lewin. Et voilà les amis, un grand moment. Je suis en train de passer la longitude du Cap Lewin que j'ai matérialisé ici. On a passé le Cap Lewin cette nuit, donc ça c'est cool. Maintenant direction Cap Horn. On est enfin rendu sur les galets. Le vent d'un petit cheveu d'effet. Voilà, là on commence une nouvelle semaine, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Chaque fois qu'on commence une nouvelle semaine, bah, on ouvre les sacs qui vont avec. Donc petit cours d'histoire, le Cap Lewin, qui s'appelait avant Dougaloup quand il était habité par les aborigènes Warrandi, et puis il s'est appelé le Cap Lewin en hommage à l'Alewin, qui était une embarcation hollandaise qui a cartographié les lieux. L'Alewin qui veut dire la lionne. Alors en général, on récupère déjà un premier sac comme ça. Donc voilà, donc là par exemple, j'ai ouvert celui-là avec des barres de céréales, la compote, des petites barres cook and run. La poucaille. On est à 90 suivants, ça fait du bien parce qu'on était au frais jusqu'à maintenant, donc ça tapait beaucoup.